à moi Jacky. Ah, plaque à nous, plaque à nous, plaque à nous, plaque à nous, assis-toi, plaque à nous, Adama. Oui, je m'appelle Traoulé Adama, j'habite à Matassé, Mouyan Sibi. Je suis un dessinateur, je fais la peinture, je fais la nature. This is the story of one artist's incredible journey. Il a beaucoup d'argent. Un bon chercheur de femmes. Quand j'étais petit, mes parents m'ont dit, je suis pas handicapé. Bon, mes parents m'ont dit, je suis pas handicapé. Je suis comme les autres. Et puis, restant mal les autres. Pas dire quelqu'un, tu es malade dans l'esprit, c'est ça, on dit un handicapé. C'est ça, on m'a toujours dit ça. Et je ne mets pas dans ma tête. Non, tu voulais te dire. Non, tu voulais te dire. Adamo Traoré makes the trip to Bassam, a small beach town about an hour from Ivory Coast capital Abidjan, every week. For the youngest of eight brothers and sisters, Adamo comes here to visit his family. Moi c'est M. Sissé Gaouzou, c'est mon oncle qui est assis là, c'est ma tante. Oui. Et je suis en même temps le neveu, oui. En même temps son frangin. Oui. Voilà. Et lui et moi, on se taquine beaucoup. Vous l'avez dit, il est handicapé. Mm-hmm. Mais pour moi, je n'ai pas handicapé. Mm-hmm. Parce que tout ce que l'être humain fait, Adama le fait. Mm-hmm. Il se lave seul, il joue au ballon. Il danse, il mange avec cuillère, fait vraiment. Il est plus que extraordinaire ce monsieur. L'handicap de Adama n'est pas un accident. C'est de naissance. Il est né comme ça. Quand il est né après chez lui. Donc, dès sa naissance, quand il est né là, il est né à l'hôpital. Comme il est devenu handicapé, c'était nos parents là. Quand il est handicapé dans une famille, ils abandonnent. Adam était presque abandonné. Donc, les serbes l'ont pris. Et puis, il va élever. Adama, quand il vient, quand je lui fais un bon plat, surtout banane, sauce aubergine ou sauce graine, il me promet toujours qu'il va m'amener à Ben. Ouais. Donc, je veux que le gouvernement aide Adama pour qu'il puisse m'amener à Ben. Quand il quitte Abidjan pour venir, parce qu'ils sont sympas, ils sont gentils avec moi. Ils sont amoureux avec moi. Vraiment, je leur dis toujours, je vais être amoureux avec eux. These days, Adamo lives in this bustling neighborhood in the capital, but for many years, his home was a convent where nuns first taught him how to paint. Marie-Odile. Marie-Odile. Une femme française. Une femme française. Oui. Elle était couverte des enfants handicapés. Elle avait une centre, quoi. Oui. Une ONG. Oui. On était au moins 100 personnes. Oui. Tout le monde apprenait le métier. J'ai appris à faire le dessin dans une centre à Bobo. Oui, on était beaucoup. Oui. Là-bas, j'ai appris. Dans la salle, j'ai appris à faire. On peut dire à quelqu'un toujours un handicapé, il a le conscience de ça. Et moi, je ne suis pas un handicapé. Je suis comme toi, je suis comme les autres. Et je suis fier de ça aussi. La fierté de quoi? Quand tu fais un travail, les gens apprécient. Ça te donne le courage de faire ça. Ça me permet de grandir. Ça me permet de faire tout. Parce que. Un garçon qui ne travaille pas, un garçon qui n'apprend pas métier, c'est pas un garçon. Comme c'est moi mon Dieu qui a marié la grâce d'Adamo. C'est mon oncle. C'est ton oncle, mon frère. Comme on est tous des jeunes, ça pourrait servir ce sont des petits. Oh.
papa a failli. Mon papou, je descends sur l'escalier. Je prends mon voyou tranquille. Puis j'arrête, mon petit arrête mon voyou, je rentre, je fais la notation, puis je me dépose au travail à ce côté. Adamo starts his day like most of us, by getting ready for and making his way to work. For Adamo, that means taking a taxi across town to an upscale mall where he works in the parking lot. Rendez-vous à 15 places. Chaque matin, il y a mon numéro dès qu'il arrive. Avant que même qu'il vienne, il m'appelle sur mon portable. Et voilà, c'est pour sortir ses vies avant qu'il arrive. Ah, mon frère, c'est pas comme ça! Salut Adamo! J'ai su ce tableau jusqu'au soir aussi. Je fais la même chose, je fais rentrer tous ces trucs. Adamo has set up shop here for about 8 years. And in that time, he's become a fixture in the neighborhood, a place where few of the people who work can afford to shop. But before the workday can begin, Adamo takes part in a tradition here in the Ivory Coast, the morning espresso. Rien me donne l'inspiration. Quand je prends mon petit café matin, je suis assis. Rien me donne l'inspiration parce que quand je vois tout matin, je me réveille. Quand je vois tout le monde s'en va au travail, et puis moi seul, je suis assis. Ça me donne l'inspiration. Ouais, oh non, tu en souviens, tu t'en souviens quoi? Il fait ce mouvement avec moi. C'est bon. Non, c'est bon, laisse, faut laisser. La plupart des gens, quand on le voit devant la porte de secousser, on a l'impression que peut-être il est venu mendier. Oh, pourtant, il a rien métier. Il est là, il fait son petit travail, super, et puis il vend ses tableaux. Et tout ça va. Wheelchairs and other physical aids are few and far between in this part of the world. Adamo and other disabled people are forced to make do with what they can, a challenge Adamo believes makes him stronger. Back at his stall, Adamo sketches out one of the paintings he'll work on today. His inspiration, a typical African village like the one he's from. Le village se voit de... là-bas,
où il n'y a pas maison, oui. Dans les cases, oui. Où les gens souffrent. Avec la tête, quoi. Où les gens souffrent, où les gens n'ont pas tout ce qu'on voit. Il n'y a pas les cases, les paniers, les paniers. Le nom du village, quand je dessine, ça revient directement dans ma tête. Parce que je n'ai pas. Il y a beaucoup de villages, je ne peux pas donner le nom. Alors, ça vient dans mon esprit. Parce que je viens de là-bas. Bon. Pour faire un tableau, je veux faire une heure. Mais quand je fais, avec 50 papiers, je veux faire le même jour. Sans couleur. Sans couleur. Sans couleur. 50 papiers, je veux faire le même jour. Parce que quand j'ai expliqué, tout vient dans ma tête. Chaque jour, quand je travaillais, ça me donnait l'inspiration de crier. Donc comme une étude, quand tu vas CP1, CP2, CM1, à force d'étudier, tu évolues pour aller dans ça. Bah, il me dit, ça je ne peux rien faire, je ne peux pas faire maçon, je ne peux pas faire un truc pour construire, je ne peux rien faire. Mon esprit, c'est ça. J'ai pris ma base sur ça, j'ai pris mon dieu sur ça, et j'ai voulu. Quand tu veux, tu fais. Voilà, dame Rodola. Voilà, lunch is the biggest meal of the day in the Ivory Coast and an opportunity to meet friends and socialize. Y'a pas de viande? Ouais, moi je veux pas du poisson, je veux la viande. Madame, je disais, tu manges ici tous les jours? Ouais, tous les jours. Ça va. C'est son restaurant ici. Adamo often eats at this local restaurant where the specialty is a peanut curry with fish and rice and a little bit of friendly ribbing. Albert is one of Adamo's best friends, and amidst the joking and chatting, he helps him with small things like taking a drink of water, paying the bill, or making a phone call. After lunch, it's time to pray, and Adamo makes his way to the local mosque. Allahu Akbar, Allah. En fait, ce qui m'a marqué, c'est Adama, dans son état, il est musulman, pratiquant. C'est ce qui m'a beaucoup marqué, ce dit. On pratique la même religion. 14h, 16h, il est avec nous, il fait ablution comme les autres, il vient, il prie avec nous, il croit, il a la fin de Dieu. De mon côté, c'est ça qui m'a marqué. Je crois 100%. Donc, chez toi, même, chrétien, musulman, il n'y a que Dieu au Dieu. Tu m'as mis comme ça, je crois 100%. Je prie. C'est les chrétiens qui m'ont. Quand j'étais chez la dame blanche, elle qui m'a pris 9 ans. J'étais à l'église. Je connais tout.
Quand je suis venu avec mes parents, je ne peux plus aussi aider mes parents. Je crois 100%. Adamo heads back to the mall now to pick up some painting supplies. For Adamo, each color he uses holds a special meaning. This round of supplies sets Adamo back about $40, but it's an investment that allows him to support himself, his family, and his friends, and of course, be able to afford to shop here. With the sun low in the sky and the heat of the day behind him, Adamo can now begin setting up to paint. Like many artists, Adamo is inspired by nature, and the native plants and wildlife of the Ivory Coast are a common theme in his art.
j'étais dans la rue à partir de 21 ans. J'étais où il y a tout le... J'étais dans la rue à partir de 21 ans. Après mon mec, il me sent, il est croyé, il dit, ah! Cette dame m'a appris à faire quelque chose. Mais pourquoi moi, je ne peux pas réaliser quelque chose moi-même? Donc j'étais dans la rue, j'ai assis. Ça commence à marcher. J'ai vendu un petit tableau à 2500. On m'en sortit quoi. Le petit tableau est vendu à 2500, les gens payaient. Dans ça, j'ai payé mes vêtus à beaucoup. Il y a les semaines, même ça ne prend pas. Si ce n'est pas les baguettes, il y a beaucoup qui déchargent. Mais le plus sérieux, il y a ici. Le soleil, quand le soleil vient, quand tu casses, avec les baguettes, c'est gâté. Il faut bien les encadrer, laisser les baguettes, changer les baguettes, tout ça. Donc moi, j'ai un côté financier, je cherche. Ou bien un magasin, ou un truc où j'essaie, je peux ouvrir mon avenir. C'est côté ça. Quand tu as côté l'argent, je te donne la côté matériel. Côté où il était, quelqu'un peut m'aider à ouvrir un coin, oui. Comme un magasin, comme un truc. Oui. Moi où il était, je peux me soutenir tout ça. As this day's journey draws to a close, Adamo reflects on the meaning of his art. L'amitié. L'amitié. Ça parle de la nature. Les arbres. Dieu a créé ça. Dieu m'a créé. Personne, Dieu m'a créé comme ça. La même nature, Dieu a créé. Nous sommes inspirés. Ça, c'est le propre petit Dora. C'est moi-même, il y a réel le photo. Ça, c'est par rapport à les enfants, il y a fait ça. Merci. Par les oiseaux, ça est toujours dans mon programme de dessin. Parce que l'oiseau n'est pas maison, n'est pas toi, mais il vit. Tu manges, tu peux te dire pourquoi moi aussi je ne peux pas manger, pourquoi moi aussi je ne peux pas te dire, ça veut dire que je vais te trouver les oiseaux dans ma position. Il mange, il fait tout. On le voit là, mais il te déplace. Il arrive quand même. Il arrive quand même. Ça peut te dire petit à petit où je vais. Le travail où je fais la peinture, petit à petit je finis. Un jour, ça va aller pour moi. Le contrat est escargot. Après, j'aime l'escargot. L'escargot mange doucement, mais il arrive. Ouais, donc, comme je fais la peinture doucement, mais j'arrive à finir la peinture. Appelle handicapé, frère, sœur, vis ta vie, ne sois pas complexé, fais de ça ton charme. Appelle-nous.